sur une salsa, Basile Boli et sa partenaire Katrina Pacette. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Basile Boli et Katrina Pacette sur une salsa de dingue en direct sur TF1. C'est un truc de fou. Wow, 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 wow. Bravo mon Basile. Bravo. Bravo Basile. On va essayer un truc avec le public. Si t'es fier de Basile Boli, tape dans tes mains. Là, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quel truc de dingue. Ça, c'est une ouverture à Basile. Je vous donne le micro. 11h05. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de 11h05. 11h05. Ah, pour être dans le bon cadre. 11h05, non pour. Tac, tac. Mais pas avec le talon, pas avec le talon. C'est vrai, c'était le conseil de nos juges. Alors j'ai une surprise pour vous, juste avant d'avoir l'avis de nos juges, j'ai une surprise pour vous Basile, on sait que vous avez de plus en plus de supporters à travers toute la France, partout, et l'un d'eux a tenu à vous encourager, vous apporter son soutien, c'est le plus chaud d'entre tous vos supporters, vous le connaissez bien, regardez. Ça va Basile? Hey, comment ça va ma feignasse? Tu t'es entraîné toute la semaine, hein? Oh, j'espère que tu vas bien. Vas-y, plein badin. N'oublie pas que t'as éliminé quand même un grand champion de danse. Hein, mets-toi en confiance là-dessus. Et n'oublie pas cette combinaison. Ta combinaison, ton arme fatale. La roue à l'arrière avec réception sur le joufflu. Hop, et rétablissement sur les deux jarrets. Ne l'oublie pas ça. Hein. Basile, allez, tu vas gagner, je t'embrasse très fort. Et puis je te dis à bientôt. Allez, et puis j'embrasse bien entendu tout le monde. Tout le monde. Ça fait plaisir franchement. Ouais, c'est mon Vince, c'est mon Vincent. On a passé des moments exceptionnels. On a eu la bande, tout le monde, c'était superbe. Et le voir partir, c'est vrai que c'est pas une star en danse, mais il a tellement d'humour. Ah, il est adorable. Il est génial. Merci à toi, Vincent. Je t'aime, Vincent. Cette année, on a eu la chance d'avoir deux danseurs étoiles, hein, Patrick Dupont et Vincent Moscato, donc c'est quand même pas rien. Je voudrais avoir l'avis de Chris sur la prestation de Basile. Départ absolument génial en termes d'énergie, donc déjà, bravo pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, en termes de style, je vais vous dire quelque chose. Vous avez réussi quelque chose d'intéressant. C'était vraiment le style cubain en termes de salsa. On était bam, bam, bam. Ça, c'est pas mal du tout. Maintenant, ce qu'il faut que je vous dise, c'est qu'on sous-estime le fait que cette saison, je crois qu'on assiste à une saison qui a sûrement le plus haut niveau en termes de danse qu'on ait jamais eu. Et donc, pour moi, il en faut beaucoup plus pour justement commencer à accéder aux places supérieures. Parce qu'en fait, là, on a eu une performance pleine d'énergie. En termes de technique, c'était quand même un tout petit peu léger encore, parce que justement, vous ne fermiez pas vos pieds sur les pas de base. Oh, non, 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 il faut le dire. Non. On ne fermait pas les pieds sur les pas de base. Vous le verrez une fois que vous verrez le replay. Je crois que je vais l'emplâtrer, lui. Hein. Non, non, faites-lui confiance. Vous savez que Chris Marquez, c'est le psy français. Hein. Donc,
On peut lui faire confiance. Voilà. J'en dis pas plus, ça va être dangereux pour moi après. Exactement, je vous montrerai où est sa loge. Jean-Marc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation? Je ne suis pas d'accord avec mon ami Chris Marquez. Une superbe performance. Je crois que tu as justement travaillé sur tes points faibles parce que t'as allé à une attaque beaucoup plus articulée avec le pied dans l'avant. Oui, mais sur les pas de côté, c'est un peu touch and go, touch and go, touch and go. Donc, il faut y aller encore un petit peu plus attention profond. Au claquage en début d'émission, Jean-Marc. Vous n'êtes pas chaud. Attention. Facile, t'es un missile. Tu t'en vas droit au but. Lâche rien. Chaim, qu'est-ce que vous en avez pensé, Chaim? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Basile, je suis plutôt d'accord avec Jean-Marc. L'effort sur les pieds a été fait. J'allais vous parler des rails et de danser sur vos deux rails que vous aviez en début d'aventure très espacés. Là, ça s'arrange, ça s'améliore. On délie un peu plus les hanches. Depuis votre première prestation, premier sourire, moi, je suis fan. Je vous aime. Et le couple, Katrina et vous, marche est fabuleux. C'est deux belles âmes et deux beaux cœurs qui dansent ensemble. Continuez, vraiment. Je vais encore vous voir ici. On aura l'avis de Patrick en même temps que ses notes. Basile, Katrina, vous avez terminé avant-dernier du classement, la semaine dernière, pardon de vous le rappeler. Vous avez dû passer par le face-à-face pour vous sauver. Est-ce que vous avez réussi à séduire les juges ce soir? Pour le savoir, c'est les notes. C'est parti. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes. Patrick Dupont. J'admire vraiment les progrès. Bravo. 7. Shy. Tout pareil. 1-7. Chris Marquez. Il m'en faut plus. 5. Jean-Marc Généreux. Pas d'accord. 6. Ça nous fait un total de 25 points. Le clic était très précis. On sent une belle maîtrise du geste. Ça va être un parfait abonné. C'est le clic juste là.